Yo tout le monde, c'est Yob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fallout Total War dans lequel nous jouons Ceti, alias la brute. On a quelques petits soucis, on vient de nous embêter, il y a pas mal de troupes qui viennent nous embêter. Heureusement, on dirait que la majeure partie, voire toutes nos troupes, sont constituées dans un tour. On va enfin pouvoir se venger. On a un petit problème de bonheur aussi, Ubatedua, sachant que là on a plus 1 en taxe et on peut pas faire plus de bâtiments de bonheur, et ça c'est un peu problématique. Donc ce que j'ai vu, c'est que je pouvais faire le bazar des artistes qui va ajouter du bonheur dans les provinces adjacentes. Alors ça, je réfléchis pas à deux fois, c'est fait. Et non, il n'y a pas de oui, non. On le fait, et c'est tout. Lancier, milicien. Ouais. On va passer à des lanciers vétérans. Ça consomme vachement de bouffe par contre, partout. Hein. J'ai vraiment un énorme déficit de bouffe. Hein. Ouais, tu me diras, je produis de la pierre, je produis du bronze. Et il faudrait que j'aie un endroit où je puisse produire autre chose. Il produit vachement de pierre, il produit pas tant de bouffe que ça. Il produit de la bouffe. Est-ce que je peux faire des échanges avec ma femme? Peut-être bien. Un corps d'échange. Et en vrai, il me faudrait beaucoup. Il faudrait vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je peux lui donner en échange? J'en sais rien, moi. 50 d'or. Waouh. 50 de bronze. Waouh. Ah non, vos demandes. Attendez, c'est pas dans le bon sens. 500. 50 d'or? Ouais, on est bien, on est pas mal. 10. On va lui proposer. Pendant 10 tours. Ah ouais, plus ça dure, moins il est d'accord lui. Bon bah 20 bronze, hein. Écoute. J'ai engagé la proposition, c'est accepté. Parce que là j'ai un petit déficit de nourriture, ça va plus là, c'est pas bon du tout là, c'est pas bon. Du bronze j'en fournis à gogo, de l'or aussi, même si du fait que je puisse pas les taxer en vrai, mais bon, j'en ai un peu de côté. J'ai 10 tours pour régler mon problème de bonheur là-bas. I fight for Egypt. Et on va faire deux lanciers et deux archers. Voyons voir, j'ai pas un endroit. Ça augmente les déplacements, ouais, c'est sympa, mais. Ça me fait quoi là? Prince of Egypt. Là en vrai, j'ai bien envie d'aller faire une petite embuscade. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va venir m'embêter lui. Non, je vais pas faire d'embuscade, je vais le mettre en mode campement. Pour la reconstitution améliorée. J'ai pas le choix là. Rappel, action de cours disponible. Très bien. Vas-y, intrigue, rumeur. Oui, c'est toujours bien les rumeurs. Ok.
Voyons voir. Là où certes qui arrive à s'en sortir, je sais même pas trop comment. La grande lutte pour le trône a commencé. Prenez part au conflit et traînez vos adversaires dans la poussière pour montrer à tous qu'ils doivent vous revenir. Ok. C'est trop. Elles sont barrées. Oh, ils les avaient emmenés au sud. Je les ai pas vus traverser en vrai. Je les ai pas vus se barrer. Allez, hop, on va améliorer ça. On va améliorer la vitesse. Even soldiers must pray. Je peux pas. C'est bizarre ça. Sets chosen. Comment ça, elle est pas à moi? All will remember me. Hein, y a un bug? Oui, quoi? Attendez, quoi? For the gods. Down, prince. Oh. Ah mais non. En mode campement, alors. Je vais pas faire attention à ça. Et là, regardez, qui c'est que je peux attaquer. Salut. Tu te fais plaisir depuis quelque temps, toi hein. Non, mon salaud! Ancien vétéran des vétérans, conscrit à la hache, conscrit à la hache. Conscrit épéiste et le reste. Voilà, putain, il a vachement d'unités à distance lui. Hein. Oh, tout ça, ce sont des unités à distance. Bon, j'irai chercher les unités à distance avec mes unités de corps à corps. Je vais prendre par la bataille. On va la faire manuellement les gars. Alors, ok, c'est une plaine. Pas l'air d'avoir beaucoup de relief. Chaleur étouffante. On va attendre. Les dégâts continuent, toutes vos unités cumulent de fatigue supplémentaire dans l'action portée. Vitesse de charge. Bon, on va déployer comme ça. Voyons voir. Alors. Au niveau du déploiement. Qui va m'intéresser? C'est de placer mes lanciers déjà. Je vais déployer déjà ça en ligne à peu près. On va faire une fausse ligne même. Non, mon général. Ok. Là. Je vais renforcer ici, je vais les mettre plus paquet. Je prends ces unités, je leur dis mettez-vous là. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Là on a à peu près une unité pour une. Et on garde 3 unités là qu'on va pouvoir faire passer. Essayer de les faire passer par là. Sur le côté ça me semblerait pas trop mal.
Ouais. Je vais essayer de déborder sur ce côté avec mes unités corps à corps. Et là, je mets toutes mes unités lance-projectiles. Mon but, ça va être de prendre leur flanc. Bon, alors, va-t-il venir déjà? Normalement, non, parce que c'est moi qui attaque. C'est lui qui est censé... Ok, donc on va s'avancer en marche. Bien évidemment, on ne va pas courir, on va pas fatiguer nos unités. Enfin, pas de suite. Elles seront bien assez fatiguées plus tard à cause de ça. Tu me fatigues des actions. Faudra faire attention, je crois. Si ça dure plus longtemps, on a des possibilités d'avoir une tempête de sable. Ils ont pas mal de portée quand même. Ce que je peux faire, regardez, si je m'approche suffisamment avec les fondeurs, je peux les mettre. Je suppose comme ça. Et les frondeurs ont la portée d'attaque. Ah bah je les fais courir. Bon c'est pas grave, c'est une distance assez courte. Ça reste des unités légères. Là, on n'a pas la portée, mais si jamais ils se rapprochent on l'aura. Et là on a le coin de leur troupe en portée. On va les fatiguer petit à petit. Non, même pas. Ok, ils étaient considérés comme étant encore en action, donc ils voulaient pas tirer. Voilà. 240 conscrits à la hache. On voit les armures là, elles prennent cher. Oui, parce que c'est perce armure, hein, les frondes. Ok, alors c'est là où il va falloir être bon. Chaque unité au corps à corps, je vais leur demander d'aller chercher une unité au corps à corps, justement. Hop là, donc on va commencer. On va avancer, là on a une charge. Eux là ils devraient commencer à prendre cher au bout d'un moment quand même. Waouh, j'ai vu tous les projectiles dans le sable là. Voilà, ils commencent à prendre très cher. Bon, ils vont reculer eux forcément. Ah zut, il intercepte mon unité, ça c'est pas cool. Dommage, j'ai pas d'unité de cavalerie parce que là je me ferais plaisir les mecs. Avec une force. Et là on a intercepté. Eux, le moral il est bas, hein. Là ils vont bientôt... Bientôt abandonner, je suppose. Bingo. Hop. Arriver comme ça, là mon but ça va être de les aider. Allez les mecs, voilà. Voilà. Parce que là, hélas, mon unité elle prend cher. Ah putain. Ah mais les pêches ils prennent cher. Bon, ils devraient arrêter de se faire tirer dessus quand ces unités arriveront, mais... Bon, allez, finissez-les là, avant qu'ils se regroupent. Voilà.
pas prêts de se regrouper eux. Là, il faut que je tire dessus. Voilà, bon. Eux, ils sont arrivés corps à corps. C'est bon. Le fait d'avoir arrêté le feu, de leur faire arrêter le feu derrière, ça me met bien. On va prendre la perte quand même, mine de rien. Subir des pertes. Stoppez-moi le mode escarmouche. Putain, ils ont pas fui. Ah si, voilà. Allez, approchez-vous et faites feu à volonté, les mecs. Oh, ça, ils ont vraiment fui ici. Oh, ça, c'est terrible, par contre. Ça, c'est pas mon avantage, hein. Je pensais pas qu'ils allaient fuir comme ça. Oh, c'est des snipers, par contre, les archers. Hein. La vache. Les archers ennemis, ce sont des vrais snipers. Hein. Allez, feu à volonté, les mecs. Heureusement que j'ai quelques unités à distance qui font le café, parce que là, ils sont tous en train de fuir. Hein. Wow. Oh, ils ont pris tellement cher, rien de temps. Allez, deuxième unité à distance. Ça se passe pas trop mal. Si t'as fui, on va essayer d'aller intercepter. Là, ils sont en fuite. Essayer de courir derrière histoire de les occuper. Là, ça a fui. Hop, on change de cible. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Là, on pilonne dans le tas. On va faire mal à nos unités de lanciers, mais les unités derrière vont faire tellement cher aussi. Bon. On l'a pas aidé lui. Mais bon, ça va le faire. Toutes ces unités prennent cher, le mien aussi, il se prend des tiraliers. Ouais, là par contre, c'est terrible ce qu'il se prend. Tirez-moi là-dessus, là, il faut pas qu'ils viennent au corps à corps, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout qu'ils viennent au corps à corps. Hop, les archers, là, on va les empêcher de se reconstituer. Hop, lui, pareil, il vient au corps à corps, on va l'empêcher. Changer de cible. Là, ils sont plus de menaces, clairement plus. Et quelques archers là-bas, ça pourrait devenir. En sorte que ça n'en soit pas. Là, on attaque. Il y a de la reconstitution. Il y a de la reconstitution par là-bas, c'est pas bon. On dira nous aussi. Ah, mais on est plus loin. J'ai cru que c'était qu'il s'était reconstitué là-bas aussi. Alors, faudrait les intercepter là-bas, les archers. Faites feu sur lui. Pourquoi ils vont encore à corps? Pourquoi mes archers vont encore à corps, ceux-là? Ils ont plus de munitions? Non, faut pas aller au corps à corps, les mecs. Hein. Ah, il y a tempête de sable qui se lève. J'y vois rien. J'y vois que chi. C'est compliqué, là. Hein.
Et puis elle est violente, hein. Si les projectiles vont réussir à faire mouche. C'est général contre général en plus. Lui est en train de fuir, on va aider notre général, faut pas déconner non plus. Une belle bataille, une belle bataille. Oh la portée! La portée des frondes là qui diminue petit à petit, c'est terrible. Bon, on a plus de. On a plus de munitions, donc on va aller au corps à corps. En train de fuir, là aussi ils vont fuir petit à petit, je suppose. Là c'est en train de fuir, donc on va changer de cible. Là-bas ils sont arrêtés. Pourquoi ils avancent plus mes unités? Allez. Là-bas ils vont fuir. Ouais, ils attendent. Victoire. Ah bah terminé la bataille. Terminé la bataille. Bon, il y a eu beaucoup de pertes. Hein. J'ai pris 1600. 1600 pertes. C'est beaucoup sur 4000. Est-ce que la moitié de mes troupes est passée? Au moins ça me fera gagner en légitimité, je suppose, un truc comme ça. Ah oui, surtout apparemment je l'ai terminé. Ah, j'ai gagné de la bouffe à gogo. Ah, ça c'est bon. Légitimité égyptienne plus 3. Bim. Bah, on va recruter les unités. Pas besoin. On a légèrement besoin. Deux. Alors on va retourner là. Ouais, je peux pas faire de fort, dommage. Inspecter les réserves. En espérant que eux ils aient pas la portée. Au pire je peux barrer. Non, ils ont pas la portée directe. Ok, c'est bon. Cours, 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 cours. Oh, je lui ai pris de la légitimité, oui. J'ai l'impression que c'est bien lui hein, que je lui en ai pris. Y'a pas un... Non, je m'en fous. Prendre de la bouffe à quelqu'un là en mode ouais, j'ai plus de nourriture, mais il m'en faudrait s'il vous plaît. Bon, on va mettre des rumeurs. I knew I could trust a fellow Egyptian to be reasonable. Complot. Montage 3. Ah ouais. Assassinat sur... Accès aux unités couchistes n'importe où, ah, ça peut être pas mal ça. On pourra y réfléchir un jour. Décret royal disponible. Ah oui, je voulais faire du bonheur. J'en avais vu un. Je sais pas où il est, honnêtement. Était vers le bas, je crois. Bonheur. C'est loin. C'est loin, mais j'ai pas trouvé plus près. Ouais, bonheur des temples, mais. Mais encore faut-il en avoir. Ah bon. Poste en Ardaï. J'ai quoi? J'ai ça, j'ai ça. J'ai ça et j'ai ça. Non, c'est lequel? Déplacer sans subir de perte du désert, c'est où? Ah, immunisé contre l'usure. Hop là.
Là, on va faire pareil. Ah non, j'ai pas les ressources. Tu me diras, j'ai pas fait ça. Donc, si, je l'ai déjà fait lui en fait. Ici, impeccable. Oh putain, je suis à moins 1500 en bouffe là. C'est compliqué. J'ai encore une action? Bah non. J'ai pas suivi, j'ai un truc. Ok, non, bah c'était un petit bug, je suppose. Allez, fin du tour. Qu'est-ce qui va bouger, lui? Peuple des mers envahissent nos terres. On a aperçu des bateaux avec d'étranges guerriers venus de loin à leur bord. Et d'autres suivraient derrière en nombre. Ok. Bah écoute, moi ça tombe bien, je suis pas en mer. Oh, bah qu'est-ce que tu fais? The wrath of Egypt. Divinity is in my blood. I shall not stray. Au cas où. For Egypt. Juste au cas où. On se tient prêt. Combien de bonheur? Toujours plus 1. Hein. Ça c'est triste. Je vais me rendre en marche forcée. Ready yourselves, men. I will carve out a legacy. On va se rendre là-bas et j'irai embêter mon voisin là. J'ai besoin de me refaire. Action de course, c'est qui lui? Mais c'est pas le pharaon ou c'est pas le mec là qui doit... partager les profits des mines. It is my duty as an Egyptian to aid my peers when I can. Kent, mais nous. Ouais. De toute façon, tu me diras, j'ai que ça à faire, donc autant le faire. Born to conquer. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah non, dégage en fait. Bah. Je l'ai pas vu. None can withstand Seti. Écoute, ça me fera de l'expérience de la nourriture, on va renforcer nos unités avec ça. Prince of Egypt. Let in your ruler. La Erdaï. J'ai vraiment besoin de récupérer de l'unité là, de mes unités. Tu vas pas monter un petit niveau? Oui, bien sûr que tu vas monter des niveaux. T'es quel niveau ça? Je peux le voir? On dirait 5, hein, mais je suis pas sûr. J'ai gagné un titre? Non. Ok, oui. Écoute, on va faire un pourcentage de reconstitution, c'est toujours bien. Là, j'ai pas d'objet, hein. Non, j'ai rien. Et là, on me rappelle quoi? Qui peut possiblement équiper quelque chose? Bah, je vois pas, tout est déjà équipé.
j'ai rien à prendre ici. Hein. Auxiliaire non équipé. Auxiliaire. Armure. Partisan, objet. Qu'est-ce que c'est alors si c'est pas ça? Auxiliaire. Ah, je vous avouerai que je ne sais pas trop. On verra le tour prochain si ça se résout ou pas. Moins 1, déclin, bataille gagnée, moins 1. Ok, d'accord, super. J'ai une des batailles, ça me retire de la légitimité. Ok. Fin du tour. Dans le doute. Leur demande, traité de paix. Ils m'offrent de la bouffe. Ah, je suis monté en 11e puissance. Je vais accepter. Je l'ai bien démoli. Et je vais accepter parce que il me donne de la bouffe de 1. Et que j'ai pas vraiment les moyens de continuer. Je vais aller vers le nord. Et je vais essayer de récupérer des territoires de nourriture. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Puis de la nourriture, récupérer de la nourriture. Enfin, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Acton. Oh. Alors que je le revendique ce poste. Hein. Attends. Vous pouvez revendiquer ce poste lors des suivants Dorus. Bon, j'aime bien me le préparer lui. Hein. Pas de complot en cours, très bien. Oh la vache, la légitimité que ça perd, toi. Ça coûte cher, non. How unusual. Pleasant conversations are few and far between at court. Ça me la garde, ça, malgré. Mais je l'ai pas mis d'arme. Ah, j'étais persuadé qu'il y en avait. Hein. Dans Chotel. Ah, mais c'est ça. Ah ouais, non, j'étais persuadé qu'il l'avait. Je m'étais même pas venu à l'idée qu'il ne puisse ne pas en avoir. On va voir si ça fait comme sur Rome 2. Oh, les pertes par contre, pas terrible. Hein. Crown Prince. Si
Si je dépasse les 50%, est-ce que je peux quand même faire? On peut pas mode campement, ok. Ça je l'aurais appris, c'est très bien. Je voulais être sûr. Je peux y arriver, je peux pas y arriver en un tour, dommage. On va remonter tranquillement, le long d'une île. Et là, je vais me mettre à 50. Bon, bah, je vais me mettre à 53. Ah, les pertes, ça déconne zéro par contre. Tu me diras, la reconstitution, elle se fait après. Hein. Si j'avance assez lentement. Ok. 24 tours. Ouais, Varanta. Mais bon, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Ouais, c'est tout. Okay, non. Bon, on a déjà réussi à se sortir un petit peu de la mouise. Mais c'est pas fini. Et il va falloir continuer. Allez, sur ce, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode Direction le Nord. Merci d'avoir suivi, c'était Tiob. Ciao.